Précédemment, dans Jean Rambio. Julien ! Frère Sigmund et ma sœur Elena ont cependant suivi un chemin que je ne compte pas emprunter. Celui de la destruction et du saccage de Mère Nature. J'ai entendu mon frère parler d'une ancienne carrière abandonnée au nord de votre forêt. Elle est déserte, mais il y garderait une clé d'activation du BFB, le Big Fucking Bulldozer. Avec ça, il peut raser des forêts entières. Si on va là-bas, qu'on s'empare de cette clé, qu'on la détruit, on neutralisera la menace. Temporairement, ça n'empêchera pas d'envoyer ses soldats. Ça sera plus long, certes. Scoop ! Scoop, j'ai mon scoop ! Ouais ! Vas-y, vas-y ! Allez, vol, Jean ! Retourne dans ta nature ! Vol, plus vite qu'un oiseau ! Viens là, toi ! Plus vite que là ! Tu vois, Hervé, ce qui m'indispose le plus dans cette situation, c'est pas d'avoir à torturer quelqu'un. Elena et moi, nous le faisons assez souvent. Sigmund ! Et ça va ! C'est pas un secret. Je disais donc, ce qui m'indispose le plus, c'est d'avoir à torturer un copain. Un poteau. Un ami de promo. Alors comme ça, tu aurais vu mon frère, Marc, divulguer des informations à un groupe de renégats qui n'attendront pas l'hiver pour s'en servir contre moi. Elena, enlève-lui son baillon, je comprends rien à ce qu'il baragouine. Je t'écoute, Hervé. Qu'a dit mon petit frère ? Il a dit la vérité. Il a dit que toi, Sigmund et ta sœur, vous ne reculerez devant rien pour saccager les ressources de la Terre et faire un maximum de profit, quitte à déclencher votre propre perte. Intéressant. Vient-il préciser que l'entreprise Interfall Group contrôle plus de 80% des institutions de ce pays? Non, il n'a pas dit ça. Le pouvoir est un luxe qu'avec le temps, nous avons pu nous payer. Un jour, mon frère aura tous les biens qu'il désire. Et ce jour-là, il me remerciera. Tu sais quoi, Sigmund ? T'es qu'un colosse au pied d'argile. Parce que ta soi-disant entreprise multinationale, elle est surendettée et aujourd'hui elle est obligée de piller pour subsister. Exact. Mais mon prochain pillage me rapportera suffisamment pour laver mes dettes et réinvestir en masse. C'est sans compter l'information que détient Jean Rambio. Ah. Jean Rambio. Oui, Jean Rambio. Et que sait-il au juste? Je dirai rien. Torture-moi. À quoi bon torturer? Quand on peut simplement menacer. Oh. Ah non ! Non, Sigmund, l'appareil photo, c'est pas du jeu. Sigmund, relâche-le, il a rien à voir avec ça. Oh. Bon, d'accord, je dirais ce qu'il sait. Il sait tout à propos du BFB. Tout ? Oui, tout. Sa localisation, la manière de fonctionner, la manière de le désactiver. Brave petit. Maya est partie prévenir le QG de notre prochain objectif et peut-être même nous envoyer du renfort. Se fondre dans l'environnement, c'est ça ? Bah oui, c'est ça, fiston. T'as tout compris. Ah. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Le nid est rempli de poussins, je répète. Le nid est rempli de poussins. On est vraiment obligé de parler en code ?
Je suis désolée, mais oui. Je ne comprends pas. Pourquoi tous ces gardes? Il n'y a rien dans cette carrière, pourtant. Eh si! Regarde! Tu vois les cercles là-bas? Je me demande bien à quoi ça sert. Probablement des portails d'accès vers de nouvelles galaxies où l'homme et la nature vivraient en parfaite harmonie. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allons-y. Jouer, fiston. Maintenant, faut qu'on trouve à quoi servent ces cercles. Probablement des portails d'accès vers un espace-temps différent du nôtre, où l'homme et la nature vivraient en harmonie. Ou alors, une évacuation vers des eaux usagées. Et comment on y rentre? Alors, le manuel des castors juniors, qui fait autorité en matière d'accompagnement à l'aventurier, hein, dit que pour procéder à l'ouverture de ces portes, il faut se positionner en même temps sur chaque entrée afin d'en déclencher l'ouverture. Je crois bien que ça marche, moi! Oui, fiston, ça marche! Courage! Oui, cette fichue lumière. Attends, je cherche. Ah, voilà. Ah, Jean, c'est toi? Non, je suis là. Mais alors ça veut dire que... Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Rien, hein, on visite. QG! Ouah, quel pain! Quel accueil! Oh, bon, si on regardait le plan de la mine. Attends, non. Il y a une lampe. Ah, prends-la. Voilà. Ah. Fais voir. Oh, oh mon Dieu, quelle désolation. Tu vois, tout ça, c'est une ancienne cité souterraine. Mon Dieu. Des familles ont dû quitter l'endroit. Et tout ça, tu vois, dans la précipitation... À cause de l'irradiation, c'est une horreur. Alors Jean, d'après Jean... Oui, ma. D'après les renseignements que j'ai,
La clé devrait se trouver ici, précisément. On n'a plus qu'à chercher. Cherchons. C'est un vrai mât ? Ah, mais lâche ça, non, c'est un jouet irradié. Oh, regarde, maman, un autre jouet. Ah, mais je t'ai dit que c'était irradié, lâche-moi ça. Ok. Non. Wow. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour ma chariote, maman. Qu'est-ce que je viens de te dire, Jean? Tout est irradié ici. Allez, jette-moi ça. Oh, zut. C'est dingue, on cherche une clé, on cherche pas quelque chose pour ta chariote. Désolé, maman. Jean, viens voir. Regarde. Aide-moi à dégager ça. Tu crois que c'est ça? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Wow. Mes félicitations, monsieur Rambiot. Vous avez trouvé la clé de mon cher BFB. Mais à quel prix? Celui de votre forêt? De votre monde? Que vous défendez si ardemment depuis toutes ces années et qui nous empêche de faire progresser notre belle civilisation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que maintenant que vous êtes dans les entrailles de la Terre, vous êtes mon prisonnier. On est enfermé! Exact. Derrière une porte à triple blindage, inouvrable depuis l'intérieur. C'est en quelque sorte mon antivol personnel. Que voulez-vous? Ce que je veux! Ce que je veux! Votre mort, monsieur Rambiot! Que vous disparaissiez de la surface de cette planète et votre forêt avec! Maintenant que vous êtes neutralisé pour de bon, mes hommes vont pouvoir se mettre en marche vers votre verdure. Que vous nous aurez légué par un acte de décès rédigé par mes services. Moi, j'y suis! N'y voyez rien de personnel, monsieur Rambiot. Dites-vous que c'est de bonne guerre? Après ce que vous m'avez fait subir? Je ne vois pas. Interrogez votre passé, monsieur Rambiot. Vous aurez tout le temps d'y penser, d'ici à mourir d'asphyxie en compagnie de votre chère maman. Adieu! On va pas se laisser enfermer comme ça. On va lui botter le fessard à ce mécréant. C'est fini, maman. Tout est fini. Fini? Oh non! Rien n'est fini. Au contraire, tout ne fait que commencer. Et pour débuter, mettons toutes les chances.